Ok, normalement j'ai mis à jour. Pas de bon. Ah, ça y est. Allez, c'est parti. Allez, parti. Night City. Hello, Night City! À notre grand loto des meurtres, les cadavres se montaient à 30 pilières. 10, rien qu'à Ewood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça! Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des nets honneurs occupés à trouer le réseau électrique! Tandis que dans les rues de Westbrook, la trauma team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica, eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Allez, c'est parti. Paramètres. Ah voilà, ça. Avancer, reculer. On va baisser un petit peu le son aussi.
truc de machin. Sous-titres. Bon, on va laisser. Commande. Densité. Cul divers. Et les analyses des graphismes. Alors, regarde comment. Pas. Ouais, je pense que oui. Réglage rapide, la qualité des pêches. Et un écran comme ça. Ok. Langue en français, interface. Yo, Haku, alors ce jeu, bah, je viens de commencer à l'instant, donc tu vois, je veux dire, je suis en train de faire les pré-réglages, là. Et puis on verra ça tout à l'heure, hein, comment ça va être. Alors, raccourci clavier. Alors, on... Voilà, dansant. On va marquer. Avancer, recul. Allez à droite, allez à gauche, sauter. Et. Et arme alt, arme suivante à la molette, et ou sinon arme de thème là, ouais, c'est bon. Point c'est 4. Ah, attaque rapide. Charger R. F, il est déjà pris ou pas? Ah, attends. F, il est pris. Et au tech rapide. Je pense que ça va être au corps à corps, non? Bon, corps à corps, c'est que t'as...
Ouais, les notifications. Ah, attends, véhicule. On va faire comme ça. S'adoucit. Cela. S. À sortir. F. Oh. Or, je sais pas. Astérix, c'est pourquoi? C'est pour confirmer ou pour nous dire qu'il y a un truc qui va pas? Attends, en défaut. Mais, ok, on commence. Il y a un truc. S. Le cockpit, c'est rapide. Ah. Et c'est quoi? Et c'est à la droite. Oui, bah c'est ça. Avancer. Aller à gauche. Aller à droite. Attaque rapide. C'est le A. Ah putain, j'avais pas vu c'était quoi là-haut. Z. Pas W. Attaque rapide c'est A. Ouvrir les notifications W. On est bon. Le véhicule. Freiner. Droite à gauche. Accélérer on va faire ça. Gauche on va faire ça. Ah. On va faire ça. Ok. Ok. Ça c'est fait. Paramètres, c'est bon. Nouvelle partie. Tire en. Missile. Alors. On choisit Nomade, Gosse des rues ou d'accord. Alors, Nomade. Parcourir les Badlands. Charge, attaquer des. Rien de facile. Grandir dans un clan. Et l'intégrité. Boss des rues. Comprendre la rue, on dit qu'il faut. Manque des fixeurs, des petits. Loi de la jungle impose aux faibles de servir les forts. Seule la seule loi de Night City. Pas encore la seule loi de Night City que j'ai encore réussi à enfreindre. Et là, corpo, peu de gens quittent le monde des corporations en vie et moins encore en conservant leur âme. Vous avez connu ça, vous avez contourné les règles, exploité et utilisé les informations comme des armes. Personne ne la joue à la loyale, il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. C'est quoi, moi, je vais partir le gosse des rues. Corpo aussi, c'est pas mal. Ouais, mais bon. Un monde ouvert, je préfère. Et après. Sage. Franchement, Gozeru, t'en fais un badass. Corpo, tu en fais un mec badass, mais la John Wick costume. Oh non, moi je préfère passe des rues. Ça c'est fait. On va prendre lui, hein.
Alors. Ok, bah suivant. Ah, donc c'est là qu'on commence à mettre notre pote, comment il va être. Alors. Chaque attribut contient des compétences. Et puis les compétences qu'on fait. De vos compétences à mesure d'une compétence. Elle appartient. Ok. Alors, votre constitution détermine votre force physique. Porteur. Point de santé et l'endurance. Point. Ennemi. Intelligence. Être honneur. Grattage. Moi j'ai pas fait un rat, moi. Le mec qui vient de la rue, quoi. Bastonneur. Pour augmenter un peu. Bon, de toute façon, j'ai 7 points. Flex. Mettre votre cap. Et votre vitesse. Voilà, chaque. Votre chance d'un clic. Répondre des dégâts que vous impliquez avec les fragmentismes. Et technique. Et sans froid, calmez votre efficacité lorsque furtivement. Dégâts critiques, résistant, réduit la vitesse avec. Trois points, je veux dire. X 3 7 mètres 1 2 en intelligence et en capacité. Là j'ai tout ça. Monter un peu, mais 3 points. 3 points. Bon. 1,5. Mettre technologie. En constitution, 4 en intérêt, 4 en réflexion, 5 en santé, force physique,
Ah, c'est furtivement. Pas mal. Parfois, je mets un réflexe. C'est peu, mais avec puis après tu mets. Alors je laisse à 4. Pour être furtif. Ça me fait 5 en constitution, 5 en réflexe, 4 en intelligence. On va partir là-dessus. Oh, V, passer, gosse des rues. Comprendre la rue, on dit qu'il faut avoir vécu. Revendre. Constitution 5, hein, réflexe 5. Ouais, je sais pas si on peut les améliorer au fil du temps ou alors c'est fixe. On peut plus revenir, je sais pas. Bravo, allez, confirmé. C'est parti. Alors j'ai une cassée, voir un shot. Alors. J'ai vraiment la gueule cassée. Ouais, bah, alors j'ai une cassée. Oh. Il a les cartels derrière lui. Il a fait affaire avec Kirk.
Même les rats de Baywood s'approchent pas de ce putain de rapace. Mon frère venait de sortir de tôle. Je voulais l'accueillir en héros. J'ai merdé, je sais. Arrêtez, sur. Allez. Alors, bienvenue dans Cyberpunk 2077. C'est votre première fois à Night City. Suivez attentivement les didacticiels pour vous familiariser avec les mécaniques de base du jeu. Un Edge Runner expérimenté n'était pas. Ok. Ok. Ouais, Kirk. Ah ouais, d'accord. Elle a pas de. Et tu le dis. Tu peux parler? Ok. 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 Bon, ouais. Bon, bah, moi qui voulais parler tranquillement. Regarde un petit peu ce bar, comment il est. Et pas mal. Bon, les mecs, ça va? Eh hey mec, je vais vous montrer comment on joue au billard. Non? Bon bah d'accord. Hey, on peut jouer ou pas? Oh, y a même des jeux rétro quoi. Excellent ça. Ah, c'est la sortie là. Ok. J'ai une voiture et on va chez moi. Ok. Alors, on va mettre. Entendre les dialogues. Heureusement, je suis majeur et bonne santé, tatoué, mes dents, vacciné, c'est bon. Ok. Mademoiselle. Ah, salut. Ah. Oui. Non, je te parle. Ouh. Ok. Bah, on va aller voir l'autre, hein, Kirk. Peur. Non mais sérieux, tu fais peur toi. Franchement, tu fais peur. Arrête de me fixer comme ça. Tu fais peur, tu sais. Il est toujours là. Oh, bon, ok. C'est quoi ton problème?
Allez, hop, dégage. Continue à bouffer ton cheeseburger. Lui, qu'est-ce qu'il me veut? Tu dois combien? Faut lui la paix. Il te doit combien? Désolé, secret professionnel. Alors je vais juste te dire, beaucoup. Un vautour avec des principes. C'est trop beau pour être vrai. Alors joyeux putain de Noël, mon poussin. Bon bah, je t'ai demandé gentiment combien te... Et te devais l'argent, tu m'as envolé blé, donc Fous-lui la paix, d'accord? Il va te payer. Il a juste besoin d'un peu de temps. J'ai la gueule d'un mec qui fait la charité. Quand t'empruntes des édits, tu les rembourses, avec les intérêts. C'est comme ça que ça marche. Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de module qui n'est pas foutu de payer ses dettes? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai gagné. Ah oui, c'était vite raison, lui. Moi, j'ai dit que je faisais un mec... Je venais à un mec qui est un caisse de la rue. Oh, t'as beau être le big boss. Moi je suivais. Tu sais, Kirk, c'est pas pour dire, mais des fois, j'ai l'impression que t'oublies que t'es pas ici. Tu viens nous rendre visite à Haywood de temps en temps, mais tu vis à Pacifica. T'es pas à côté. Tu veux en venir? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord. Je suis ouvert aux propositions. Ah, ça marche. La caisse Premios sur cette page. Il n'y en a que 4 comme ça à Night City. La première appartient au directeur régional de Refin. La deuxième au maire Ryan. La troisième à un loueur. Et la quatrième? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Ok, donc je dois voler la caisse. J'ai pas tout mon temps. Pose le papier, je sais. Et si je fais ça, je passe sa dette. Si je fais ça, tu effaceras la dette de Pépé? Bien sûr, je tiens toujours parole, tu me connais. Mais ouais. Y'a pas plus simple. Et moi, mon cul, c'est du téflon. Pour moi, et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je suis un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de l'Embers, le club où le conducteur de notre refit aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que t'arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront. La grille s'ouvrira. T'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. C'est tout con. Ok, J'ai pas tout mon temps. C'est qui le proprio? Un costard d'Arasaka, hein, qui vient direct du Japon. Et ce mec, 3 mois, il dégueule de fric. Et t'as son nom? Pourquoi je l'aurais? Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a une caisse premio, c'est chez où la trouver. Ok. Ton pote Rick, là. Et ton pote Rick? Il fait confiance comme un frère. Ok. Et comment je suis censé faire? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je branche 2 fils et boum, c'est réglé. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les décos de Refield utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Refields de la ville? Arrête, Kirk. Même toi, t'y crois pas. Les magiciens Tekos de Kabuki vendent des trucs encore plus dingues sous le manteau. Fais-moi confiance. Alors? C'est bon pour toi? T'as intérêt à tenir parole, Kirk. Du calme, V. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'Embers, dans le Glen. Rick t'attendra dans le parking. Je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Bonne chance alors. On se tient au jus.
Non, pas du tout. Ok. Je dois jouer à la 60 secondes chrono, quoi. On va descendre, tranquillement. Faire un petit tour du proprio. T'as vu après ça ? Non, elle m'a ghosté, la salope. Salut. Ok, quitter le bar. Oh, quitte le bar. Non, je vais bien. Une bonne ambiance. Ambiance un peu puertoricaine, pas ce que je vois. Ok. Oh. Ok, on se casse de là. C'est quoi ça? Ah, c'est les distributeurs de bière et tout ça. Attends, y'a quoi? Hardcore, Mill, Girls, Boy, Drugs. Ok. Ouais, c'est parti. Et voilà, Night City. Night City. Un peu objectif. On va aller par là. Mademoiselle. T'as pas une clope ? Oui. Venez. Ah, désolé. Dure nuit ? Oh, m'en parle même pas. J'ai même pas de quoi payer le loyer. Et en plus de ça, j'ai encore les frais scolaires du mioche. On se connaît ? Je dormais pas. Oh, c'est bon, je demandais juste une clope. Dommage. J'aurais plus d'argent, je t'aurais filé. Avec une nuit sympathique aussi, mademoiselle. Ouais, bon, on va pas se détourner un peu de notre mission quand même. C'est-à-dire de piquer une caisse. Normal, ça fait logique. Désolé, mon vieux, j'ai pas d'argent. Ah, attends. Pas d'alors. Ouais. Oh bah voilà. Je sais ce que c'est. Bien des rues. Et Night City. Page d'un chat. Hein. Un truc du style. Vas-y, tiens, t'as pas changé d'un poil. Sébastien Ibarra, t'as pas changé d'un poil. Plus personne m'appelle par mon nom. Ça m'est fait bizarre de l'entendre. Alors, quoi de neuf, Padre ? Pas de chose. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe, il a même la croix. Ah, c'est pour ça qu'il l'appelle Padre. D'accord. Même les curés, ils ont changé. Sinon, on va regarder un petit peu comment c'est. Même si on voit pas grand chose, qu'on voit juste un petit... Il, je trouve. Ah non. Bon bâtiment. Projecteur holographique, mais de la pub. Mal ça. Et voilà. Voilà, ça c'est génial. En plus, t'as encore des véhicules sur roue et en même temps t'as des véhicules qui. Ça c'est pas mal. Vraiment dans le futur. Bah, je suis rentré il y a quelques semaines. Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comment dans l'Est? Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Ah, t'es sympa, Marcus. Où est-ce qu'on va? Dans le Glen. Dépose-moi à Lembers. Défends. Prends la bretelle derrière le bar.
Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus? Je crois que c'est voiture électrique. Plutôt à hydrogène. Pas beaucoup changé par ici en 2 ans. Haywood a des racines profondes, toujours arrosées par le même sang. Haywood, ça me fait penser à Hollywood. Parle-moi plutôt de toi. J'ai des plans par-ci par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça a pas marché comme tu voulais, Atlanta, hein? Pas vraiment, ou je sais pas. Pas vraiment. Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Merde. Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armé? Ah, les ennuis commencent. Sébastien Ibarra. C'est mon genre de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le Glen et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je suis sympa, non? Alors, papy? Dis un mot de plus, connard! Te mêle pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici, et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien à ajouter à cette conversation. Fais gaffe, Padre. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Bah, toi, tu me connais pas. Je m'appelle V. Comment il se chie dessus? Je suis content de voir que t'as pas oublié tes racines. Que t'as toujours la flamme. Il y a tellement de petits merdes dans le coin. Ils sont peut-être truillés dès que ça voit le canon d'un flingue. C'est qui lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu et quelqu'un d'autre prendra sa place. Il t'a menacé avec son crasheur. Je veux. Et il va le payer, ça, tu peux le voir. Si, c'est ma cité. Ma ville. Arrête-toi là. C'est ah oui. Ma street. Ma street, ici. Avec la croix et tout. Pas heure pareil. Ouais, merci, Padre. Je dois y aller. Que Dieu te protège. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Non, mais c'est pas vrai! Pas quoi? Alors, prendre l'ascenseur pour descendre au garage. Ok. Alors, attends, on va tourner un petit peu. Les gars, faites comme si on m'avait pas vu. Bon, je suis pas, j'ai pas sauté du truc, hein. Oh merde! Corps portier must die. T'as cru ou pas? Rien à faire ici. Ok, ok. Ah, je peux même acheter un truc. Shizu 5, Body of Law. Ah, il y a même un truc de film. Attends, je vais boire une bière, moi. 10$. 4. Quel on va prendre ça? C'était quoi le... Ouais. Si, peut-être.
Peut-être la sens aussi. Ouais, 0,75 hein. Et hop, on est parti. Au garage. Parking, ruelle. Hé, on est où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Rick, c'est un bon. Tu verras. Tu fais confiance comme un frère. Je sais, tu l'as déjà dit. Good. Prendre? Non, pas commander. Et où acheter un truc? Et ah oui, c'est vrai que ça. Bon. Ah aussi. Oh, il y a tout qui s'allume. C'est pas mal ça. Je peux faire quelque chose pour toi? Ah ouais, okay. C'est Kirk qui m'envoie. C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Les caméras sont HS. T'as 20 minutes. Au boulot. Ok. Merci. Alors bon bah on va trouver la Reifeld. Alors elle est où la bagnole? Kirk, je vois la caisse. À toi de jouer, petit. Bonne chance. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Tu vois, on est riche. Maintenant démarre là et appelle-moi quand tu seras sur la route. Je te dirai où aller. Yeah, man. Oh, eh ben on dirait que ça va le faire. Quoi? Descends de cette caisse. Waouh. Fais chier. Tu sais conduire. Maintenant descends. Hey, qu'est-ce que tu fous? Catch une gados. Voilà. Bon geste. C'est fini pour vous. Restez, on vous a. Les mains en l'air. Pas de geste brusque. À plat ventre, enculé. Me dis rien. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. T'as perdu ta langue. Que dalle sur moi, du con. Ah, y a que la vérité qui blesse. Mais reste poli si tu veux pas que je m'énerve. Allez quoi, Austin, soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après? Au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment, alors à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux les voleurs? Merde, pas lui. De bas étage? On les a appréhendés, monsieur Fujioka. On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Dois-je les relâcher, monsieur? Je suggère de les balancer à la mer. Menottés et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution.
Ok. Bande d'enfoirés. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on allait peut-être pas s'en tirer. Non, Stins nous buterait pas comme ça. T'en es bien sûr? Ouais, c'est un gamin de Haywood, comme toi et moi. Il déteste les costards autant que nous. Il a fait son devoir. Point barre. Ok. Si je m'étais pas pointé, tu te baladerais dans Night City en refilt, là. Non, ça aurait pas marché de toute façon, c'est ma... Arrête. Ce job était moisi depuis le début. Même la tech au black de Kabuki peut pas déjouer une alarme comme ça. J'aurais dû me douter que les flics me tomberaient dessus. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyoté, non? Wells, ça me dit quelque chose. Attends, Wells, comme Mama Wells. Je savais bien que ça me disait quelque chose. Ouais, c'est ma mère. Le Coyoté, c'est son bar. C'est bizarre qu'on soit jamais croisés là-bas. Ouais, c'est au Coyoté qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. Tu bosses avec ce radégo? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un moudup comme Kirk le traiter comme ça? T'es pas au courant? Il a le soutien des cartels. Des cartels? Non. Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. El cabron. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Comme ça. J'avais ton crasheur collé sur la tempe il y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es réglo. Sans rancune. Normal. Sans rancune. Ah, comment tu viens, pote? Bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie, pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Attends, hop, je vais pisser un coup, moi. Normal, le mec il m'a mis un flingue sur la gueule, on est devenu potes. Mais hop, se lever, allons-y. Ok, pour la bouffe. Je te suis. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland. Ah, c'est là où on fait amélioration. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester au top très longtemps, la vie se consume vite quand on la brûle par les deux bouts. Ou alors quand on se prend une balle.
La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui ? Voilà, je me fais un nom. Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City ! La cité des rêves ! Et voilà, ça y est, j'ai fait mon petit bout de chemin. Des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser. J'ai un petit cadeau pour toi. Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Ouais, vas-y. Ok, pourquoi pas. On va s'entraîner un peu au tir. Quand même. Pas mal ça. Ce parcours vise à renforcer vos fondamentaux en matière de combat et à aiguiser vos réflexes. Les compétences que vous apprendrez ici vous permettront de survivre et même de briller sur le terrain. Je vous apprendrai à utiliser des armes, des techniques d'infiltration et des moyens de pirater les réseaux de l'ennemi. En d'autres termes, vous allez apprendre tout ce qu'un parfait petit esclave doit savoir pour servir ses maîtres parfaits. Ils sont nuls en codage chez Militech. Par contre, la formation de Troufion, c'est leur truc. Bref. Poste 1, la bleusaille. Et hop, pas de course. Allez. Merci. Chef, oui, chef. Séance de tir tactique, histoire de s'échauffer. Chef, oui, chef. Alors... Quel est le DPS? 7 à 9 points de dégâts, ok. 5.36 d'attaque par seconde. Tu fais du tourisme? Je dirais si on pimentait un peu les choses. Si. Ah. Pas mal. Mais pour que ça fasse vrai, il faudrait que la cible riposte. Reste pas planté là, mets-toi à couvert. T'as été touché. Utilise un réanimateur pour te rafistoler. X, c'est pour la santé. Ok. Rends-toi dans la zone d'entraînement quand tu seras prêt. Avec rapide au corps, R machin. Nanana, pour changer. La molette de la souris. Et. C'est. Tu fais du tout. T'as vu? Il est venu avec des trucs. Il faut... Merde. Sensi. Pas arrête.
pas sur la plateforme pour passer à la suite. Après, je sais pas, la 106 c'est quoi? Non, mais la 106. Pour la suite, je te propose du piratage. Tu verras que j'ai légèrement modifié le matériel pour le cours. Rateur. Oui. Ce module d'entraînement apprendra à employer des outils technologiques en situation de combat. Faire les ennemis pour dire. Sérieux, avec les corpos, même le. Fais déconner l'écran en le piratant pour distraire le garde. Ah, F, exécuté. Je cherche le truc. Corps ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. C'était pas loin. Allez, on reprend depuis le début. Ok. Fais déconner l'écran en le piratant pour. Faire le garde. Corpo ordure. La forme avant le fond. Bien. Maintenant, neutralise-le discrètement. Bien. Il est à toi. Neutralise-le. Attention. Il vaut mieux éviter de laisser des traces de ton passage. Et surtout, des cadavres. Ramasse le corps et va le planquer quelque part. Ok. Et R. Bah, la poubelle. Ok. Maintenant, essaie de l'éliminer d'un coup bien placé. Réaliser caché du corps, tuer caché. Tu te sens
soi-disant prêt à pirater des pommards en temps réel? Éclate-toi! Ok, donc. À maintenir tab. Pour les caméras. Ok. Et donc voilà, le piratage, c'est quand même. Voilà. Créer sa séquence de code en sélectionnant les caractères de la maîtrise de code. Les caractères que vous sélectionnez sont mis dans le tamisage tampon. Ok. Désolé, là j'ai pas tout compris. Ah oui, putain, d'accord. Cinq. Vas-y, fais péter la grenade. C'est quoi ? C'est pas mal ça, mais il faut bien se mettre dans le truc. Ok. Quoi ? Suffisait que tu débranches ton cerveau et que t'obéisses aux ordres, façon Militech. Sous mes ordres avisés, t'es un vrai champion. Allez, prends ta place sur le podium. Pas mal du tout. L'algorithme de Militech t'a plutôt réussi. J'ai d'autres modules au cas où tu voudrais peaufiner d'autres compétences. Sinon, tu peux y aller. Mais fais attention. Dans la rue, t'auras pas d'avertissement ni de deuxième essai. Bon, on y va ou quoi? On va faire les autres, hein, furtivité. Bon, d'abord, on va travailler la furtivité. Posca. Oh. Oh. Oui.
Ah oui. Hein. Voilà. Les deux là, ils sont en train de voir. Lui, il regarde là. Couvert, vite! Pas mal! Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. Ah, mais lui, il va me voir. Vous voyez? On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja? Bah, là, c'est pareil. Et les autres, ils vont plus. Merde. C'était pas loin. Allez. On reprend depuis le début. Loupé. Comment veux-tu? Là, je passe là. Voilà. Là, il faut que... Ah. Ok. À couvert, vite. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. Là, tu me vois. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja? Je peux rester là et attendre qu'il passe ou il faut que j'avance un petit peu? Je vois pas du tout comment je peux. C'était pas loin. Allez, on reprend depuis le début. Ah, il va me dire maintenant. Ok. À couvert, vite. Pas mal. Maintenant, dirige-toi doucement vers la sortie, sans te faire repérer. On a dit furtif, V. T'as déjà vu des déesses de ninja? Bah là, c'est pareil. Va, bien ah bah j'ai réussi. On passe à la zone suivante. Ok. Site d'investigation sécurité tels que les toiles et caméras de surveillance qui peuvent alarmer et indiquer vos ennemis. Maintenant, la même chose avec la caméra. Faisceau de balayage des caméras qui peuvent
Bon, je suis derrière les caméras. Non, si vous en avez une vision, je capte pas les bruits. Tu fais du tourisme? Ok, attends. Attendre qu'elle passe. J'ai envie de voir comment. Pas vu. Cool, t'as bien voilà. Mets-toi sur la plateforme pour quitter la station. Allez, un peu de technique de combat avancé pour le dessert. Et après. Ouais, combat avancé, bah on va faire le dernier et puis voilà. Ça en aura tout fait. Maintenant tu vas pouvoir te salir les mains en combat rapproché. Neutralise-le. Mais fais gaffe, il a l'air costaud. Alors, les ennemis ayant un niveau bien plus élevé que le vote indique, les crânes peuvent se libérer. Mal à les battes. Alors. Ok, ça ira. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui boxe dans ta catégorie. Et. Ok. Sauf. Ok. Maintenant, on va passer du mode facile au mode normal. Attention, la prochaine buse peut bloquer tes coups. Bon, bah voilà, c'est rapide. Au lieu de donner les coups, tu vas les parer. Ouais. Allez, viens là. Là. Viens. Mais il veut pas attaquer lui ou quoi?
Voilà. Okay. Maintenant, cette buse perd l'équilibre à chacun de ses coups. Profitez-en pour lui balancer une contre-attaque. Ah, c'est juste quand l'autre il attaque en fait. Cette buse brassée de l'air laisse aucun de ses coups atteindre. Ah, attends. Maîtrise maintenant le kung-fu de la buse, jeune apprenti. Je n'ai plus rien à t'enseigner. Bon, on arrive à la scène de l'épreuve finale. Ah bah voilà, c'est fait. Corps à corps. Prends une épée. Ok. Voilà. Bien. Maintenant, montre-moi ce que t'as appris. Ah, que vous avez dit alors. Bah, t'as dit comme vous le souhaitez. Ok. Ça toute ta vie. Monte sur la plateforme. Voilà. Bonne chance, V. Gratter, c'est tabac. Ok. Alors, pas mal, hein. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est parti. L'ascenseur, par ici. La case de véhicule. Voilà.
cartel, Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement en enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. Hey, on va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade ? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié, là. C'est une IA ou quoi, T-Bug ? Alors, porte, radage, coup de pirate. Ah oui, quand même. Attends. Un alien ? Regarde l'alien qui est sorti. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repros et d'attaque de contrebande. Clairement du boulot de seconde zone. C'est pas notre vie. On continue de chercher. Non, c'était rien. Urgence, urgence, ok. C'est fermé. On l'a pris. Ouais, attends, je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Récupérer. Voir. Un. $1. On va récupérer un peu d'argent, parce que quand même. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Cendrier. Ah, rien, je fume pas. Autre. Pic. On va prendre le corps, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Composer un objet commun. On va prendre. Faire un peu le marché, hein. Ils en auront plus besoin. J'ai d'autres là-dedans. Ouais. Ah. Ah, médic. Pour servir. Aussi c'est fait charcuter. Clinique en désosude pour récupérer ses acheteurs. Et il y a aussi la salope de Corpo.
Ouais, je sais pas c'est qui. C'est pas grave. Ok. Hop, hop, hop. Ok. C'était quoi ça? Cette statue. Voilà. Faites gaffe, il y en a d'autres qui rappliquent, ils sont presque là. Des anciens de mes couilles. Doucement, ils savent qu'on est là. Raté un truc là. Page. Projecteur, ventilo, projecteur. Comment ça, c'est un truc qui allait pas là.
Attends, 10 secondes. Rien. Un qui est là. On va tirer l'autre en fait. Ah, les ennemis. Oh, non, c'est parce que. Un autre ventilo. Ah, c'était quoi? Oh, ça c'est intéressant parce que je. Puis. On a quoi? En fait. Zone hostile, ok. Attention. Hey, tu m'entends? T'es qu'un connard.
démembrer. C'est parti. Ouais, bah... Je vais y penser. Plombez-moi cet enculé! Y arrive de ses pires! C'était quoi le... Putain, mais arrêtez de déconner! Grenade lancée! Lui. Nul. J'arrive qu'est-ce qu'on dans a un cendrier. Ah, je regarde ce qu'il y a. Ah. Voilà, dans les fragments. Oula, je suis un peu mal à l'aise moi. Oula, oula. Bon, attends, je me casse de là moi, parce que là moi je suis. Voilà. Crevez-le! Concentre-toi! On va les avoir! Vous avez vu? Je l'ai plombé! Ouais, mais moi je veux faire un truc là. Je me charge du reste. Je viens de finir de pirater la porte. Soyez prudent. Est-ce que tu sais qui je suis? On les a tous eus. Ah, c'est encore lui. Allez, bande d'enculés! On va danser! Machin. Ah, qu'est-ce que... Chapeau.
peu stylé. Ah, allez, hop. Ah, c'est sache que t'as. Attends, encore un petit peu là. Là-dedans. Ouh. Mission pour fusil. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, MK1, ouais. Mort lui! Dans la tête. Ah, il est mort. Barric. Or, ouais. J'ai juste. Je peux pas prendre d'arme? Changer d'arme? Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son vieux moniteur, je vais évaluer la situation. C'est pas bon signe. Ouais, j'ai un autre corps. Elle est dans une baignoire remplie de glace. Il y a un autre corps aussi, putain. On dirait des morceaux de viande. Garde ton calme, V. Si elle s'en sort, elle se souviendra de rien. Son subconscient sera un peu marqué, c'est tout. Paraît que les gens qui survivent à ce genre de trucs font des crises de panique. Sans savoir pourquoi. Ils sirotent un verre d'eau glacée et d'un coup, leur main se met à trembler. V, connecte-toi à son vieux moniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. Merci. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micro-logiciel ou un neurovirus. Carajo, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok. Du boulot de bouffeur de scope, donc. J'ai une idée. Regarde son neuroport. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. On va demander si c'est pas risqué quand même. Un peu risqué. On peut pas se contenter de la sortir de là. Elle respire encore, mais il nous faut son biomoniteur pour détecter des hémorragies éventuelles et le reste. Alors regarde un éclat et retire-le. Bon de. Ok. Bon, on va retirer l'éclat. Il y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes.
La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Oh. Pauvre Sita. Faut la sortir de la glace. Ok, on est parti. Ça va, les 3 minutes. Les secours arrivent. Jackie, Eripo, merde, ça craint. Attrape, essaie. Oh la vache. Allez, même pas 2 secondes de... Direct, crac. Putain, ça a marché. Fuera, cabron. Emmène-la dehors. Allez, parti. Voilà, sera Titi, la terrasse. Et on la lâche comment déjà? Ah bah alors. Bah voilà. Bah c'est bon. Tiens la porte. J'avance encore? Ah. On a fait comment? Ah, déposer, d'accord. Ah, c'est bon, je viens de sauver la patiente. Oh. Ouais, être sympa quand même. Pour être sympa, je viens de sauver la gonzesse. Ouais. Je vais vous barrer comme ça. Je te jure, même pas un remerciement. Bande d'enfoirés, quoi. Et le sale boulot. Ok. C'est quoi? Moi, je vais m'asseoir. On va m'asseoir? Merde. Profiter de la vue. Hop. J'ai glissé, chef. Glissé. Okay. J'espère que j'aurais pas tout offert. J'aurais peut-être dû sauvegarder avant. Bon, si je dois refaire encore les autres. Éclate en 2-2. Je n'aurais pas. Ça va. Ça va. Ok. Maintenant, on va faire attention. Voilà. Pas plus. Et on va regarder le paysage. Eh, mais on est à... Ah oui, c'est vrai qu'on est à Tanaitan, là. Apparemment, les immeubles, ils sont hauts. J'aurais plus... Et... J'ai envie de tomber. Bon, apparemment... C'est assez haut. Vraiment, c'est des grands bâtiments. Ok. Ouais, on se casse de là. On se taille d'ici. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, mission grandement menée. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en blanc, Jack. Juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je vais claquer. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. Ok, téléphone. Wakako. Hey, hey. Taco. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? On peut dire ça.
On peut dire ça. La trauma team l'a récupéré. Elle va se remettre. Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, Anna. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite. Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Il paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, il va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. J'ai gagné 2 en réputation, je sais pas en quoi. On va faire une petite sauvegarde quand même. Ah, d'accord. Wesh man, ma street ici. Décidément, je kiffe Night City. Une ville comme une autre, en plus grand. Non, Mano, elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Willem, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Et Watson, tu te souviens? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano. Ah, merde, je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Mais j'aime pas ça du tout. Véhicule de combat, dégainer l'arme, alter, gagner l'arme. Passager, dégainer. Et tous les armes à distance équipées. Ok. Donc, alt. J'ai pas une autre arme, moi, que j'avais pris. Comment lui ? Bah voilà. Ah, c'est des sauceurs encore. Elle a morflé ta pauvre pièce. Désolé, mais... Pas grave, on verra ça plus tard. Déjà qu'on arrive à rentrer. Ah, Night City. Sympa quand tu veux. Est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps.
Les bâtiments sont pas mal, je trouve. Les bâtiments sont pas mal, c'est vraiment un truc futuriste et tout. Je sais, je vais le dire souvent, le truc vraiment futuriste, mais il y a quand même 2077. Donc... D'accord, ouais mais non mais moi j'ai envie de profiter d'un peu du paysage. Night City c'est pas mal. Ils sont bien démerdés quand même par la ville. Allez, on est presque chez toi. Et toi alors, il y a peu de chances que tu puisses rentrer à Heoud. T'inquiète, mais ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr. Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Oh bah voilà, allez hop, rentre chez moi. Et je pense que je peux encore améliorer mes... Bienvenue sur N54, c'est l'heure des infos locales. La violence continue de ronger les Badlands. Des fusillades ont éclaté sur la 1, la 166 et la 101. Bonsoir Night City. Mon premier invité ce soir est le président de l'église d'Elia, le dernier émancipateur. Et le bestiaire du département FB d'Arasaka, le révérend Culver. Loué soit le maître honneur, Minella, bien, ok. Et notre deuxième invité est Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission Chipin, qui promeut l'utilisation d'un plan cybernétique. Comment ça va la vie, ma jolie? Ah ouais, attends, j'avais même pas fait gaffe. En fait, j'étais tellement concentré sur la télé que j'ai pas regardé, mais... Là, on a notre vue, là. Ça, c'est pas mal. Mais d'abord, expliquons de quoi il s'agit. C'est pas mal. Au public. Karina, c'est quoi la relique exactement? En un mot, si possible. En un mot, je dirais... L'immortalité. On s'en fout. L'immortalité. On a là-dedans. Ventail. Ah oui. Oui, les petits. Oh putain! Pourquoi ça tombe sur moi? C'est passé. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien. Burrito! Et des affiches. Le portail est encore bousillé. C'est la troisième fois. J'ai déjà payé deux fois pour le faire réparer. Ça doit être un genre d'arnaque. Tu vas voir, je vais lui dire deux mots au concierge, moi. Tu te fais honte ? Non, c'est pas ça. C'est quoi alors ? Allez, là. Plus tard, ok. J'ai un tas de trucs à gérer. Ouais, qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, donc je te fais honte. Putain, mais quel gros pommard ! Non. Ok, on va pas parler. Là, ça c'est chez moi. Et hola. Voilà. Ok, c'est tout. Bon. Et comment on rentre chez moi? Home sweet home.
déjà on va sauvegarder quand même. Attends, je sauvegarderai après. De façon, hein, vous pouvez. D'accord. Un couteau. Ouais, c'est mieux. Oh, alors attends. Et 5. Vert. J'ai eu des armes là. C'est pas mal. Attends. Ah, attends. Et en stockage. Faut que je regarde le truc. C'est inventaire de V. Ah, c'est mon inventaire, ça. Ah ouais, d'accord. Hein. Ah. Les armes.
On est bien. Oh, je vais voir là-dedans. Je sais pas. Pas grave. On va aller se coucher. On va commencer à sauvegarder. Ça c'est fait. D'accord. Peut-être prendre une douche, je sais pas. Et on va le dos. Acte 1. Biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. Je t'acquiesce après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. Le circuit doc. Ah bah c'est pour faire les améliorations. Je sais pas. Ah, ouais. Ah, qu'est-ce qu'on a ? Message 3. Attention. Alloir détecté.
Ah ouais, mais non. Et... Voilà. News. Un texte. Et ouais. Je peux pas m'habiller là. Paramètres. Un truc qu'on peut regarder là. Et... Non. Ah bah voilà, mieux ça. On voit Night City. Soir. Oh. Bienvenue dans Saint et Sauf. Ah, news. Ça, c'est ce que je... Attends. Ah, ça, un lever, les autres, j'avais quoi? .9 pour aux manches longues ou en coton. Voilà. Les os, c'était quoi? Ah, c'est la même chose. On va laisser comme c'est, hein, puis basta.
Ah bah c'est ouvert. Téléphone. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Ok. Salut V, ici Regina Jones. Paraît que tu cherches à bosser sur Watson et il s'avère que je suis le principal du coin. Pas gâcher tes talents, jette un. Devra. Tiens encore. Il fait chaud, hein? Ah oui. Tiens, toi? Ah, tu veux toujours parler ou pas du tout? Non, non, j'ai besoin de rien. Bon, on va rejoindre Jackie. On va même s'arrêter là, moi je dis. Pour ce, pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on continuera la suite dans un prochain live.